Bonjour, je suis Céline de l'association La Voix des Migraineux. Je souhaite la bienvenue aux participants. Et je vous informe que nous allons attendre 2-3 minutes encore avant de débuter pour permettre à tout le monde de se connecter. Voilà, donc je vous demande de patienter quelques instants. Je vous remercie. Donc, je remercie tous les participants de s'être joints à nous. La conférence se déroulera en deux parties. Donc, il y aura 20 minutes de présentation du professeur Anne Ducrot et 10 minutes de questions-réponses. Je vous informe également que vous pouvez poser vos questions sur le chat pendant la présentation du professeur Anne Ducrot et que nous y répondrons à la fin. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter rapidement La Voix des Migraineux. Nous sommes une association de patients et nous nous sommes donnés pour mission de faire connaître et reconnaître notre pathologie qui est mal connue. Et donc, pour cela, nous nous mobilisons et nous travaillons dur pour faire avancer et changer les choses. Et donc, maintenant, j'aimerais vous présenter le professeur Anne Ducrot, qui est responsable de l'équipe médicale migraine et céphalée au CHU de Montpellier, à qui je laisse donc la parole. Eh bien, merci. Nous allons parler du sujet d'aujourd'hui qui est migraine et Covid. Donc, je vais vous partager ma présentation et il faut pour ça que l'animateur m'autorise le partage d'écran, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'autoriser le partage d'écran ? On va voir, oui. On va demander. Mais oui. Parce que là, le partage d'écran est désactivé, donc il faut que quelqu'un me l'active. C'est l'organisateur de la conférence qui doit le faire. Hein. Oui, c'est oui. Il faut juste... C'est un bouton sur lequel il faut cliquer. Sinon, oui, mais pas comment... ils sont en train de l'organiser, ça. Ils me disent maintenant. Là, c'est bon. Voilà. L'équipe technique, elle, me disent qu'ils sont en train de l'organiser maintenant. Ça y est. Voilà. Merci. Donc là, normalement, vous devez voir les diapositives. Voilà, donc comme on vous l'a dit, je suis Anne Ducrot, je suis neurologue et je m'intéresse principalement aux migraines et céphalées et je travaille au CHU et à l'Université de Montpellier. Donc merci d'avoir organisé ce webinaire sur ce sujet. Je vous montre simplement mes liens d'intérêt en relation fort lointaine avec la présentation d'aujourd'hui.
mais pour des actions de consultation auprès de plusieurs laboratoires impliqués dans des traitements sur la migraine. Alors, tout d'abord, quelle est la situation actuelle du Covid en France? Eh bien, malheureusement, tel que ça avait peut-être été sous-estimé par certains, le rebond épidémique arrive, puisque je vous ai mis sur la gauche de la diapositive les départements en rouge qui sont en circulation active du virus. Ici, au milieu, le nombre de nouveaux cas, rapportés à Santé publique France de janvier jusqu'à fin août 2020. Et on voit bien qu'après une stagnation tout cet été, eh bien, depuis fin août, les cas augmentent fortement. Ce qui, depuis peu, se traduit à nouveau par une augmentation du nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation. Et par exemple, le 12 septembre, il y a eu 6 nouveaux patients admis pour Covid en réanimation à Marseille et 5 en Seine-Saint-Denis. Et puis 2-3 autres à Lyon et plusieurs aussi sur ces points-là, ce qui montre bien que l'épidémie est malheureusement encore là et va donc continuer à nous impacter de nombreux mois. Ce qui fait qu'il y a eu une évolution, hein, c'est-à-dire qu'au début, dans les mesures de prévention vis-à-vis du virus, eh bien, c'était les gestes barrières et il n'était pas tellement fait mention du masque. À partir du 20 juillet, vous voyez donc largement après le déconfinement, le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos. Et puis, dans les zones rouges, eh bien, certaines municipalités peuvent décider hein, de rendre le port du masque obligatoire dans toute la ville, y compris en extérieur. Alors, donc, sur les liens entre Covid et migraine. Déjà, on peut parler de la façon dont la maladie Covid affecte la migraine. Alors, pour ce qui est de l'infection aiguë, elle se manifeste volontiers, en plus des autres symptômes, par une céphalée aiguë, sévère et isolée, donc inhabituelle. Et si elle touche une personne migraineuse, eh bien, la personne va se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une de ses crises habituelles. La céphalée va pouvoir éventuellement être accompagnée de fièvre, de toux, d'une anosmie, enfin des autres symptômes. Parfois, elle est isolée. Donc, de toute façon, le message, il est toujours le même. Si votre céphalée est différente complètement des migraines habituelles, il faut consulter. Le traitement de l'infection aiguë passe par un traitement symptomatique, hein, des antalgiques et surtout du repos. Ensuite, une céphalée peut aussi faire partie des symptômes post-infectieux, c'est-à-dire de toute la phase après l'infection aiguë, qui comporte volontiers une asthénie et d'autres symptômes résiduels. Et si des céphalées à ce moment-là persistent, et si cela est survenu chez un sujet migraineux, eh bien, la migraine peut être majorée en fréquence et en intensité par cette infection surajoutée. Il est là très important d'éviter l'abus médicamenteux, notamment d'antalgiques simples ou d'antalgiques opiacés, qui pourraient être prescrits à cette occasion-là. Et pour certains patients, eh bien, une infection peut faire basculer, au moins pour quelques temps, une migraine facile à maîtriser en une migraine plus difficile à maîtriser. Donc peut-être qu'on sera obligé dans ces cas-là d'instaurer une prophylaxie, par exemple, chez des gens qui n'en avaient pas avant. Et enfin, eh bien, bien entendu que l'épidémie a affecté et affecte toujours l'accès aux soins des migraineux. Donc, vous avez vécu des difficultés particulières pendant le confinement, puisqu'il n'y avait plus aucune consultation non urgente et plus de consultation présentielle. Il y a eu un report donc, des hospitalisations également, report des infiltrations pour ceux qui pouvaient en avoir. Et puis finalement, on a vu apparaître des côtés positifs, c'est-à-dire la multiplication des téléconsultations et la multiplication aussi de solutions virtuelles, d'applications par exemple, pour faire de la relaxation, pour faire de la méditation, pour faire du sport à la maison, pour remplacer tout ce qui auparavant était fait en présentiel. Ensuite, quel est l'impact du confinement sur la migraine? Alors, il n'y a pas encore eu d'études publiées de bonne qualité sur ce sujet.
Mais moi, je peux vous dire mon impression personnelle sur tous les patients que je revois et qui me racontent de la façon dont ils ont vécu le confinement. Eh bien, c'est exactement comme l'impact de la grossesse sur la migraine. Donc, vous aurez un groupe de personnes qui sont améliorées, un groupe de personnes qui sont stables, pour lesquelles il n'y a aucun chargement, et un groupe de patients migraineux qui sont aggravés. Ceux qui se sont améliorés, ce sont les personnes, par exemple des collégiens, des lycées, des étudiants, se sont bien améliorés parce qu'ils n'avaient plus de trajet, ils n'avaient plus le stress des cours, ils dormaient mieux, et puis également se sont améliorées certaines personnes qui aiment la solitude et pour qui eh bien, le fait de se retrouver chez eux, finalement, est bien vécu. Au contraire, ceux qui se sont aggravés eh bien, sont souvent des personnes avec une nécessité de télétravail et en même temps une gestion d'une vie familiale. Donc là, c'est très compliqué. Ça pouvait également être compliqué pour les personnes ayant des difficultés de couple ou en état de précarité sociale si vous vivez dans un logement très exigu. Donc là également, tout peut dépendre de la personne et des comorbidités existantes, d'une certaine vulnérabilité psychologique, des stratégies de gestion du stress. Et chez toutes les personnes déjà stressées à la base, eh bien, l'infection a pu fortement aussi aggraver les migraines. Alors, c'est ce qui a été montré par une étude récemment parue, qui est une étude chinoise, qui a analysé l'impact de l'infection Covid sur la migraine. Ils ont tout d'abord comparé, en fait, chez des patients atteints de Covid ou qui ont eu l'infection, les migraineux versus les non-migraineux. Et ils ont remarqué que les scores de stress psychologique étaient bien plus importants chez les patients migraineux que chez les non-migraineux concernant la nervosité, le sentiment d'être sans espoir, la dépression, que tout était un effort et que les choses étaient inutiles. Donc des scores quand même indiquant plutôt un état de stress et un état dépressif sévère. Ils ont également ensuite étudié les facteurs de risque associés au fait de présenter un stress psychologique sévère lié au Covid, et ils ont retrouvé que la fréquence des crises de migraine sur les 30 derniers jours était impliquée de manière très significative, mais que le facteur le plus fortement prédictif d'un stress important, c'était le temps consacré à s'informer en heures par jour. Donc, les informations en continu, les réseaux sociaux, sont un facteur de stress très important, notamment pour les migraineux. Donc, le message, c'est déconnectez-vous et fermez votre téléphone. Ensuite, il y a eu pas mal de problèmes et de stress encore générés par des questions sur la compatibilité entre l'infection Covid et les traitements de crise ou de fond de la migraine. Notamment au début, il y a eu une alerte relayée par la NSM, relayée aussi par la SFEMC, sur un potentiel danger d'aggravation d'une infection par l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Cependant, il n'existe à l'heure actuelle aucune donnée solide montrant que les INS aggravent la COVID-19. Donc, pour les crises de migraine, il ne faut pas changer votre traitement et il faut revenir à ce que vous prenez d'habitude. Et donc, si vous prenez un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut prendre votre anti-inflammatoire non stéroïdien. D'autre part, un traitement pour INS au long cours pour une indication importante, alors ça ne concerne pas les migraineux qui normalement n'en prennent pas tous les jours, mais par exemple ceux qui ont une hémicrania continua, eh bien ce traitement ne doit pas être interrompu. De même, quelques patients avec des migraines avec aura prennent en continu de l'aspirine. Ce traitement ne doit pas être interrompu. Et enfin, il y avait aussi un petit doute sur un effet aggravant potentiel d'un traitement de fond par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou par antagoniste de l'angiotensine, comme le candesartan, qui sont utilisés en traitement de fond de la migraine. Et là aussi, il n'y a vraiment aucune raison d'abandonner ces traitements. Il y a de nombreuses publications maintenant qui vont dans ce sens. Alors ensuite, que faire en cas de crise sévère de migraine ou d'algie vasculaire de la face où normalement je me rends aux urgences? Alors bien entendu, pendant le confinement et dans des zones à forte activité de la Covid,
et où les urgences étaient complètement surchargées de patients, ce n'était pas vraiment le moment d'aller aux urgences pour une crise de migraine. Cependant, c'est complètement différent pour une céphalée récente, sévère et inhabituelle. Donc là, c'est toujours le même message. Si vous êtes migraineux et que vous avez une céphalée complètement différente de d'habitude, par exemple, un mal de tête en coup de tonnerre, à la fois brutal et très intense d'un coup, à ce moment-là, notre étiologie est possible. Et dans ce cas-là, oui, il faut quand même aller aux urgences. On a constaté, malheureusement, durant la phase de confinement, des retards de prise en charge pour les AVC, pour les infarctus du myocarde et pour d'autres pathologies. Alors, pour ce qui est d'une crise de migraine sévère avec vomissement, eh bien déjà, le premier message, comme vous le savez, c'est qu'une crise de migraine, ça se traite tôt, lors de la céphalée minime, dans l'heure qui suit son début. Et d'autre part, vous devez demander à votre médecin des traitements administrables par voie parentérale pour gérer vos crises chez vous, à domicile. Donc ça peut être un anti-inflammatoire en suppositoire avec du méthoclopramine en suppositoire, puis un triptan orodispersible. Ça peut aussi être une prescription d'une injection IM ou IV de kétoprofène et de méthoclopramide qu'on peut faire par une infirmière à domicile. Et enfin, il y a toujours la possibilité, dans le cadre de l'AMM, d'utiliser, pour ceux qui répondent au triptan, du sumatriptan injectable sous-cutané. Donc ça, vous pouvez vous le demander à votre médecin qui vous prend en charge. Ce n'est pas remboursé dans l'indication migraine, c'est bien sûr remboursé dans l'indication algie vasculaire de la face. Ça coûte 35€ la boîte de 2, mais au moins ça peut vous sauver la mise de temps en temps pour une crise sévère. D'autre part, si on a des crises sévères multiples, c'est le signe d'une maladie migraineuse non contrôlée. Et donc là, eh bien, le patient a besoin d'une consultation pour optimiser son traitement de crise, pour instaurer un traitement de fond médicamenteux, peut-être non médicamenteux associé, et identifier et prendre en charge également ses comorbidités. Donc, il faut revoir le médecin qui vous suit pour que, si ce n'est pas le cas, il vous adresse à un neurologue qui, lui, à son tour, pourra éventuellement vous adresser à un neurologue spécialisé des céphalées ou à un centre expert. Ensuite, quels sont les facteurs déclenchants des migraines à contrôler ? Alors là, vraiment, c'est très important. Dans la migraine, le rôle des triggers est très largement surestimé. En fait, dans une étude qui a été faite chez une patiente migraineuse et qui a fait une IRM cérébrale dans le cadre de la recherche tous les jours pendant 30 jours, cette patiente a eu 3 crises. Et on a vu que dans son cerveau, la zone de l'hypothalamus, donc au centre du cerveau, commençait à s'activer 12 à 48 heures avant chacune de ces crises de migraine. C'est-à-dire que dans votre cerveau, la crise de migraine, elle se prépare pendant 1 ou 2 jours. Et au cours de cette phase de prodrome, il y a déjà un petit peu de sensibilité à la lumière, de sensibilité au bruit. Il y a une appétence particulière pour certains aliments, notamment gras et sucrés, c'est la fameuse plaque de chocolat. Il y a une irritabilité, il y a une sensibilité émotionnelle plus importante. Et donc, après, le cerveau aimant faire des raccourcis, eh bien, on peut être tenté d'attribuer à une lumière, à un bruit, à je ne sais quoi, la crise de migraine qui, en fait, est venue, va savoir pourquoi, toute seule, et les symptômes qu'on a ressentis étaient déjà liés au fait que la crise était présente. D'autre part, penser et dire aux patients qu'on peut éviter les crises en évitant les facteurs déclenchants, ça finit par être culpabilisant, puisque pour ceux qui ont des migraines à haute fréquence ou des migraines chroniques, ils ont quand même des crises. Donc, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas assez bien géré leurs triggers. Alors, là où il faut faire attention, c'est sur les rythmes de vie. Les rythmes de vie, ils impactent directement l'hypothalamus. Donc, il faut avoir des horaires de sommeil réguliers, une hydratation optimale, boire une bouteille d'eau tous les jours, limiter l'alcool, bien sûr, à 0 si possible, limiter le café, pas plus de 3 tasses par jour, au-delà, ça favorise les migraines, avoir des prises de repas régulières et équilibrées et lutter contre la sédentarité puisque, eh bien, naturellement, nous sommes des personnes qui avons besoin de bouger. C'est-à-dire, notre corps, il est prévu, à la base, comme celui des hommes des cavernes, pour marcher bien entre 8 et 15 km par jour. Alors, donc, professeur Ducrot, je m'excuse de vous interrompre, c'est juste pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes de parole. C'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est quelque chose d'important et qu'on peut faire et qui a d'ailleurs pu impacter l'évolution négative des crises pendant le confinement
puisque les personnes devaient rester enfermées chez elles, sauf une heure de sortie. Ensuite, quel est l'impact du télétravail sur la migraine? Il n'y a pas de données factuelles sur télétravail, Covid et migraine. On attend donc des données factuelles pour répondre. Cependant, certains patients, déjà avant l'épidémie, nous sollicitent, nous les médecins, pour leur faire des certificats médicaux pour appuyer leur demande de télétravail, qui permet une souplesse dans l'emploi du temps, une meilleure gestion des crises. Mais encore faut-il qu'à la maison, on ait un endroit et un espace dédié à cela et pas une famille nombreuse en train de crier et courir partout. Et enfin, à ce stade de l'épidémie, que puis-je faire pour éviter les crises? Eh bien, vous avez compris, rien de spécial. C'est-à-dire pas plus ni moins que d'habitude. Prendre du temps pour soi, fermer son téléphone, sortir se promener, faire du sport. Et malheureusement, il y a un point sur lequel il faut insister, il faut s'habituer à porter le masque. Donc même si vous avez l'impression que les crises sont aggravées par le port du masque, eh bien il faut que votre cerveau s'y habitue, puisque nous allons être obligés de le porter pendant toute cette année et peut-être aussi dans les prochaines, que ce soit dans les transports publics, les lieux fermés, les hôpitaux, les cliniques, les salles d'attente et actuellement même dehors. Et enfin, y a-t-il un autre conseil qui pourrait m'éviter d'avoir une crise de migraine? Eh bien, vous voyez, c'est la prise en charge de tous les autres facteurs de risque et comorbidité. Vous avez sur le tableau de droite tous les facteurs impliqués dans l'aggravation d'une migraine et un possible passage à une migraine chronique. Donc, là-dedans, les facteurs les plus importants sont la fréquence des céphalées à la base, qui peut peut-être être maîtrisée par un traitement de fond, la dépression, et ensuite, la surconsommation de traitement de crise. Donc, si vous êtes en surconsommation de traitement, il faut vraiment que vous évitiez les antalgiques et surtout les antalgiques opiacés. Si vos crises sont fréquentes, il faut un traitement de fond et on est en attente des nouveaux. Et puis, si vous êtes déprimé, il faut une prise en charge spécialisée. Ce sont les trois facteurs les plus importants, mais les autres également sont importants. Si vous êtes asthmatique et que votre asthme est déséquilibré, vos migraines ne peuvent pas s'améliorer. Si vous souffrez de lombalgie chronique, eh bien malheureusement, en l'absence d'amélioration des lombalgies, il est difficile d'améliorer les migraines. Et ça marche dans les deux sens. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir une vision globale de votre état de santé et d'essayer d'améliorer toutes les choses qui peuvent être améliorées, pas seulement les crises des migraines. Merci de votre attention et je vais pouvoir répondre à vos questions. Ok, alors je vous remercie beaucoup, professeur Ducrot, pour cette intervention. Donc nous avons une question de Annette Dumas. Donc, qui demande, pouvez-vous nous dire si les cas de Covid affectent plus de femmes que d'hommes? Avez-vous assez de recul pour nous dire s'il y a une différence dans la façon dont les personnes ont été impactées, donc aggravation chez les femmes plus que chez les hommes, et la fréquence aggravée chez les femmes? Merci. Alors, écoutez, le Covid, en tout cas, les formes sévères, elles prédominent chez l'homme. Et puis sinon, en population générale, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Après, pour l'impact sur la migraine, il n'y a aucune étude, donc je ne peux pas répondre à cette question, il n'y a pas de données, c'est trop récent. D'accord, ok. Et donc ensuite, nous avons aussi une question de Céline Dupont, donc, qui demande si, tout à l'heure quand vous avez dit que la migraine se préparait une à deux journées avant de s'installer, comment peut-on expliquer ça pour une personne qui a des migraines tous les jours? Alors, si on est en migraine tous les jours, on est en migraine chronique. Donc, à ce moment-là, de toute façon, on ne redescend jamais à zéro. Donc, votre cerveau, si vous êtes en migraine chronique, il est toujours excité. Il y a une sensibilisation centrale. Il y a une photophobie permanente. Il y a une phonophobie permanente pour certaines personnes. Certains ont un état nauséo permanent et ils sont tout le temps fatigués puisqu'ils sont comme s'ils venaient juste d'avoir une migraine, mais tout le temps. Donc, soit ils sont en crise, soit c'est juste comme s'ils venaient de ça se finir. Donc, pour eux, de toute façon, les facteurs déclenchants, c'est tout et n'importe quoi. Mais il faut essayer, malheureusement, même pour eux, de vivre. Malgré tout. Donc, la vie, c'est le changement. Donc, s'enfermer chez soi, ne plus jamais sortir, ce n'est pas une solution. Il faut quand même essayer de... Et on est obligé, ces personnes, elles sont obligées quand même de faire des choses. Vous voyez?
Voilà. D'accord, ok. Et donc ensuite, nous avons une autre question de Lorraine qui demande si les tests du Covid, donc les tests PCR, je crois, peuvent aggraver les migraines. Donc peut-être la... Alors, comment dire, pour le test, on enfonce donc un écouvillon dans le nez. Ça ne fait pas mal, c'est désagréable. Évidemment, le nez est innervé par le nerf trijumeau. Et si on est en pleine crise de migraine ou si malheureusement on souffre d'une migraine associée à une allodynie, c'est-à-dire à une hypersensibilité et à une transformation des contacts normaux non douloureux en une sensation douloureuse, eh bien le test peut être douloureux. Voilà. Mais comme peut l'être le simple fait de porter des lunettes pour certaines personnes ou de mettre un chapeau ou de porter un élastique. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes d'allodynie. Ce n'est pas le test en lui-même, c'est la perception du cerveau du migraineux qui est modifiée à cause de l'hypersensibilité centrale des circuits douloureux. D'accord. Et ensuite, nous avons aussi une autre question de Adina Rossianu qui demande quel est l'impact de la COVID quand on utilise les anti-CGRP. Aucun. Sachant, oui. Sachant que c'est voilà. Pas en France. Aucun pour l'instant, aucune donnée. Aux États-Unis, le médicament est largement utilisé, hein, puisque dans le monde, il y a quand même plusieurs millions de personnes, hein, qui sont déjà testées, traitées. Forcément, aux États-Unis, il y a eu des patients sous anticorps anti-CGRP qui ont eu la COVID. Et il n'y a aucune publication sur une possible aggravation par l'utilisation des anticorps anti-CGRP. D'accord, ok. Et donc, également, une question de Sabine qui demande si nos traitements nous rendent plus vulnérables par rapport à la COVID. Pas du tout. D'accord, ok. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je voulais juste... rappeler donc que ce webinaire est sponsorisé par The Migraine Movement. C'est une communauté en ligne qui est composée de spécialistes, de médecins, d'associations et que nous invitons donc les participants à rejoindre. Les participants donc recevront une newsletter sur l'email avec lequel ils se sont inscrits. Et donc, j'aimerais également dire que ce webinaire a été enregistré et qui sera disponible sur YouTube prochainement quand il aura été traduit en anglais. Et enfin, donc, je vous invite à rejoindre l'association La Voix des Migraineux et suivre notre page Facebook donc, qui est une source d'informations utiles et pratiques, d'actualité et de soutien pour toutes les personnes qui souffrent de migraines et ou de céphalées. Et du coup, le mot de la fin, le professeur Ducrot. Prenez bien soin de vous tous. Ouais, voilà. Merci. Et on essaye. Et bravo. Merci beaucoup pour votre intervention et l'intérêt que vous portez à notre pathologie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. T'es là, Céline? Je suis là, il n'y a plus que nous? Je sais pas, je suppose. Alors, tu as réussi, c'était pas si long que ça, finalement. Eh ben oui, 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 ça va, ouais, j'ai chaud. ça va, ouais, j'ai super chaud, waouh. Oh, moi, j'ai mis le ventilo à fond, là, derrière. Non, non, mais ça va, ça va. Je m'étais mis la pression, bah, c'est un petit peu... Bah, voilà, j'ai pas la vie, je fais pas ça tous les jours, quoi. Mais bon, ça va, ça a été... C'était super. Je vous laisse bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci.